Salut mes gros! Eh ben, content de vous retrouver. Donc, nous voilà repartis pour une petite partie de pêche. Donc là, celle-ci va être quand même assez rapide parce qu'il est 4h15. Voilà, donc c'est surtout pour essayer, comme je vous disais, hein, ma petite canne casting que j'ai achetée sur AliExpress. Donc, qui est de la marque Catsking. Voilà, je vais y arriver. Un peu chaud à dire. Donc c'est une canne télescopique, hein, comme je vous avais dit, donc voilà, c'est pour mettre sur le côté du sac à dos. Donc vous voyez, là je vous parle, j'ai les mains libres, je suis tranquille, j'ai pas la canne qui se balade dans tous les sens, donc quand je vais arriver au bord de l'eau, je vais la déplier. Donc j'espère que le pike va être aussi mordeur que la dernière fois que je suis sorti en flotte tube. Après je suis moins sûr parce que en flotte tube, c'est vrai qu'en flotte tube tu peux accéder à des endroits où tu peux pas y aller en bord, quand tu es en bordure. Mais bon, j'espère que le poisson, j'espère que le pike va être mordeur quand même. Enfin, j'espère quand même en faire au moins un parce que je voudrais bien voir un peu comment va réagir la canne. Parce que là, ça va être le test pour la canne. Donc, je voudrais bien voir un peu comment elle va réagir avec un poisson au bout. Alors, j'espère que ce sera un bon poisson, comme ça au moins, ce sera vraiment. Vraiment, une confirmation comme quoi elle peut être bien. Donc, bien sûr, hein, je l'ai acheté pour moi, mais en même temps, ça vous permet à vous de voir si ça vaut le coup d'en acheter une pour vous ou pas, parce que il y a beaucoup de vidéos américaines là-dessus, et aucune en français. Honnêtement, il n'y a aucune vidéo en français sur cette canne-là. Donc, je vous l'ai présenté sur la vidéo d'avant. Donc maintenant, je vais vous la montrer en action. Donc en espérant que je vais faire du poisson. Et puis voilà quoi, on va voir ça. Allez les gars, je vais me mettre au bord de l'eau. Il me reste encore après une centaine de mètres à faire. Je vais me mettre au bord de l'eau, je vais la déplier et après, je vais me mettre en action de pêche et puis on va voir si elle est bien. Allez, à tout de suite les gars. Là, je suis reparti avec un jerk, avec les petites jerks, parce que la dernière fois que j'étais venu en flotte tube, j'étais vraiment allé chercher dans le milieu les poissons. Et je crois que là, avec le souple, je vais pas assez loin. Que le jerk, je vais vachement plus loin. Donc, fait chier parce qu'il pleut. J'ai pas envie de mettre le caouet, sinon je vais crever de chaud. C'est pris. Poisson les gars. Voilà, touche qui m'a fait. Ah ouais, direct là on sent la touche. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Voilà, c'est bien ce que je disais. Hein. J'ai changé de l'heure parce que le jerk. Ouais. Super. Voilà, donc je vais le chercher assez loin. On voit la canne, elle réagit assez bien quand même dans l'ensemble. Donc c'est un pio machin de environ 60, hein, peut-être un peu plus. Énervé. Et bon. Super. Il s'est enroulé autour de la tresse. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, pas content. Mais c'est bien. C'est bien. Allez, viens là, mon gros. Ah, je sais, t'es pas content, mais... Et voilà. Regardez-moi ça, les gars. Ah, je sais, ah, t'es pas content, hein. On va essayer de se mettre quelque part quand même. Voilà. Où tu peux bien te mettre là. Voilà. Mais il est beau celui-là. Je sais pas combien il mesure. Je vais en profiter pour le mesurer. Tant que je suis là. Voilà. 75.
75 cm les gars. Eh bien mon gros. Allez. Montre-moi tes belles dents. Voilà un bout. Et voici l'autre. Voilà. Voilà les gars, canne dépucelée avec ce beau petit pike, avec ce beau petit pike de 75. Voilà les gars, voilà canne dépucelée. Et franchement la canne avec la touche, franchement c'est tip top. Allez on va le remettre à l'eau parce que ça fait un petit moment que j'ai sorti, ouais un petit moment. Allez va mon gros. Yes, il est bien reparti. Donc j'avais raison, hein, ils sont encore dans le milieu, donc c'est pour ça que j'ai mis le jerk. C'est vraiment pour aller chercher dans le milieu, parce qu'avec le jerk, on balance beaucoup plus loin, parce qu'un leurre souple, comme vous le savez, hein, tant le lance, il part un peu dans tous les sens. Donc c'est moins... Tandis que là, le jerk, lui, il a fait la différence. Le jerk part bien droit, part loin. Et là, bingo, hein, le pike a tapé dessus, hein, donc 75. Avec la petite canne. Donc ouais, bah je suis content. Me voilà avec mon pike. Donc canne dépucelée. Voilà les gars. Allez, on continue. Même s'il pleut, je suis dedans. J'en ai rien à foutre. Il pleut, je m'en fous. Mais je continue à pêcher. Allez, à tout de suite les gars. Poisson. Donne-moi encore un poisson. Ouais, je t'ai cherché assez loin, celui-là. Ils sont là, je sais qu'ils sont là. Ils flottent, hein. C'est pris, voilà les gars, encore un petit pike, ouais super. Ah, comment on sent les touches, franchement elle travaille super bien la canne, franchement elle travaille super bien la canne. Et viens là, pas de peine dans les branches, viens, pas de peine dans les branches, ouais super. Eh bien, ça c'est encore un joli ça. C'est encore un joli pike les gars. C'est encore un joli pike. Allez viens mon gars. Allez viens mon gars. Allez viens. On a été piqué carrément au bord. Hein. Allez viens mon gars. Viens là, je vais pas te lâcher comme ça. Ah, j'ai eu de la chance, c'était décroché. Oh là là, les clés et tout, putain. Oh là, putain, fait chier. Le mesurer combien il fait. Soixante-dix-sept centimètres les gars. Voilà, j'ai eu de la chance, il s'est décroché, il a fallu que j'aille le chercher au fond. Allez, petite photo mon gars, obligé.
Encore un beau petit pike de 77 cm. Franchement, merde. C'est pas grave. Franchement, ouais, là je suis content. Par contre, j'ai fait tomber les clés, j'ai tout fait tomber. Ouais, je le remets à l'eau et puis. Allez mon gars. Allez va. Allez. On va aller chercher quand même assez loin. Allez va. Voilà. Encore de jolis pikes, hein. 77. Et la canne, elle travaille super bien, les gars. Bon, maintenant, faut que je retrouve mes clés, moi. Parce que je me suis raccroché dans les ronces. Et j'ai mon trousseau de clés qui a pété. Ah putain, fais chier. Fais chier. Ah mais gros, alors j'espère que cette petite partie de pêche vous aura fait plaisir autant qu'à moi. Comme vous avez vu, hein, la canne est dépucelée. Donc je fais deux pikes, donc 75 et 77 ou 78, je sais plus comment j'avais mesuré le deuxième. Là je rentre parce que la nuit commence à tomber. Que dire sur la canne? Une superbe canne, franchement une superbe canne, elle travaille super bien, on sent les touches, on les connaît, un truc de dingue, on est même surpris par la touche parce que quand le poisson il vient taper dedans, on a un ressenti dans la canne, un truc de fou, franchement, si vous voulez acheter une télescopique, prenez la marque là, allez la chercher sur AliExpress, franchement j'en ai rien à branler des grandes marques, franchement le chinois c'est du bon. Ça fonctionne bien, je vais voir quand même dans le temps ce qu'elle va donner, mais franchement je suis pas déçu, elle a super bien travaillé pour les deux beaux pikes, parce que c'est quand même deux beaux pikes, 70, 78 et 75, c'est vraiment des beaux pikes, beau petit combat, comme je le disais la canne elle travaille super bien, j'irai pas faire de pub pour des grandes marques, j'irai faire de la pub pour vous les gars, pour des petites marques comme ça, des petites marques chinoises. Donc c'est Catsking, donc ils font des moulinets aussi, donc là dans mon panier j'ai mis un moulinet, j'attends d'avoir la caillasse quand même parce que moi je roule pas sur l'or les gars, hein. Comme vous le savez, voilà c'est pour ça que je prends aussi du pas cher, et puis en même temps c'est ridicule de prendre du cher. Non, deux secondes hein, parce que là il faut que j'enjambe le machin, et si jamais je me casse la gueule, ce serait rigolo, peut-être pour vous. Pas pour moi. Voilà, oh la vache. Voilà ce que je suis obligé d'enjamber. Donc le barbelé, parce que c'est une propriété privée. Ça appartient à un chantier. L'étang appartient à un entrepreneur. Donc voilà. Bon, il dit trop rien. Hein. Jusqu'à maintenant, il a rien dit. En même temps, j'ai jamais vu. Donc pour en revenir à la canne, ouais, franchement, ouais, moi je suis pas déçu. Pour 32 euros. Ouais, elle a fait le taf. Voilà, elle a fait le taf sur les deux pikes là. Je voudrais bien faire un métrier avec, pour voir. Ou peut-être un petit silure avec quand même. Bon, je dis pas un gros silure, mais un pied au silure quand même. Ouais, 1m30, 1m40 avec. Je voudrais bien voir un peu ce que ça donne. Ouais, je voudrais bien voir un peu comment elle travaillerait. Si elle casserait ou pas, j'en sais rien. Et bon, pour ce que j'en ai vu là, franchement. Une pépite ce canne là les gars, donc je fais de la pub pour cette canne là parce que franchement c'est le top, donc n'hésitez pas si vous voulez une canne casting télescopique, pas de problème les gars, je vous balance une fois de plus le lien dans la description, comme ça vous verrez, ils la font aussi en spinning, j'ai vu qu'ils la faisaient aussi en spinning, donc pour ceux qui n'aiment pas pêcher en casting, vous la trouverez aussi en spinning, parfois vous verrez hein, y a plusieurs cannes. Et donc prenez bien celle-là parce que j'ai vu que ça en avait des autres. Donc prenez bien celle-là si vous voulez. Bon voilà les gars. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les petits poissons vous ont plu aussi. Moi en tout cas ils m'ont plu. Donc putain j'ai percé mes bottes en plus. J'ai vu que j'avais pris l'eau, les bottes sont percées. Je vous dis ça, j'en sais rien, je sais pas pourquoi je vous dis ça, enfin bref, on s'en fout.
Donc les gars, je vous dis à une prochaine vidéo. Alors comme d'habitude, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de t'abonner si t'es pas abonné, parce qu'il y aura encore d'autres vidéos, il y aura encore d'autres produits pas chers. Parce que en même temps, je recherche des produits pas chers pour moi. Et par la même occasion, je vous en fais profiter en vous présentant, en vous mettant les liens des produits, comme ça vous pouvez aller les chercher si vous en avez envie, bien sûr. Donc voilà les gars, alors je vous dis ciao et gardez la pêche. Bye!